Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer plusieurs styles du skin Micmac. Alors tout d'abord il faudra débloquer le skin Micmac dans le pass de combat et bien entendu il vous faudra le pass de combat de la saison 3 de Fortnite chapitre 3. Donc quand vous aurez débloqué ce skin, vous allez débloquer des quêtes qui seront associées à ce personnage. Donc ici, les quêtes sont, enfin les défis sont les défis Micmac. Donc là, pour débloquer les têtes, vous allez devoir trouver des jetons de brick broc à la bomboche. Donc bien entendu, toutes les vidéos tuto, je les ai faites. Je vous mettrai une vidéo tuto condensée de tous les emplacements de tous les jetons brick broc en description, en commentaire épinglé. Donc je l'ai divisé en plusieurs sections, donc n'hésitez pas à les voir si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai vraiment filmé tous les emplacements, donc voilà, n'hésitez pas à les voir. Alors comme vous avez pu le voir, en fait, quand vous allez récupérer les jetons de brick broc à la bomboche, j'ai du mal avec ce mot, à la bomboche, eh ben, vous allez débloquer une tête. Alors ensuite ici, c'est pour toutes les têtes. À Condo Canyon, une autre tête, à Shifty Shaft, une autre tête. Il faudra récupérer les trois brick broc, bien entendu, à l'emplacement de Shifty Shaft pour débloquer la tête de Tomato. Etc, etc. Ici, vous allez pouvoir débloquer les bras en allant à la cascade de réalité et les autres emplacements. Et ici, vous allez pouvoir débloquer les jambes. Alors, pour les autres accessoires, donc par exemple pour le torse, vous allez pouvoir les débloquer, mais uniquement dans 17 jours et 18 heures. Donc voilà, il y a d'autres défis qui apparaîtront dans 17 jours et 18 heures. Donc, pour l'instant, on n'a que cela. Alors, on va retourner dans le skin Micmac. Donc, quand vous avez débloqué le skin Micmac, vous allez pouvoir accéder ici et là, en fait, quand vous allez récupérer les brick broc, ben vous allez débloquer la tête que vous voyez à l'écran, par exemple ici, la tête Micmac tête à penade, voilà. Donc ici, la tête de Thomas Tronche, voilà, une tête de brosse à dents. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de têtes, donc c'est plutôt stylé. Après, il y a encore d'autres têtes qui seront disponibles dans plusieurs jours, donc vous pouvez voir, hein, 10, arrive dans 18 jours, arrive dans 25 jours, 39 jours, 32 jours. La dernière tête arrivera dans 88 jours. Alors ici, je crois que c'est le maximum, hein. Donc ça veut dire que dans 88 jours, on pourra débloquer tous les styles de ce personnage-là. Donc ici, regardez, donc ça c'est les têtes, là c'est les bras. Vous pourrez les customiser à volonté. Donc par exemple, vous pouvez mettre les bras du squelette avec la tête de tomate. Ou la tête de la brosse, voilà, la brosse à dents. Ici, il y a les jambes. Et les autres, pour l'instant, ils sont cryptés, on ne peut pas les voir. Donc, c'est des variantes secrètes. Pour l'instant, on ne pourra pas y accéder. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mike et ciao. Peace. Make bruh.